I'm Hulk Hogan, the greatest wrestler of all time. We're not worthy! We're not worthy! A spaceman, huh? No, actually, I'm a plumber. New World Order. Honestly, I can't go anywhere without getting a boner. How you doing? I live my life. Woo! The Rock says, "Sweet baby Jesus in the office." Alors, mesdames et messieurs, bonsoir. J'espère que ça va bien à la maison. Je suis Nostradamus et me voici en compagnie de mon grand ami Jonathan Drapeau, a.k.a. Johnny D. Comment vas-tu, Jo? Yes, ça va super bien, mon Ben. Comment ça va? Ça va très bien. Et puis, un invité très spécial aujourd'hui, yes, ça va? Oui, c'est une personne très importante dans le milieu artistique, dans le milieu entrepreneurial, dans le milieu des hommes forts. Il a touché à tout. Il était impliqué dans des spectacles d'humour. On l'a même déjà vu être un mime. Alors, j'ai nommé M. Hugo Girard. Comment allez-vous, M. Girard, aujourd'hui? Hey, ça va super bien, vous autres? Ça va super bien. On sait que vous êtes très occupé, là. Vous êtes sur la route. Merci beaucoup de votre temps pour passer quelques 15 à 20 prochaines minutes ensemble. Question de parler un petit peu de votre parcours, là, autant d'hommes forts, comme on a dit, mais aussi au niveau entrepreneurial, porte-parole, tout ça. Alors, je te laisse la parole, mon ami Ben. Ouais, monsieur Girard, c'est sûrement pas la première fois que vous faites poser la question, mais pourquoi avez-vous décidé de devenir un homme fort? Écoute, effectivement, c'est pas la première fois. J'ai décidé de devenir un homme fort. Moi, mon père s'entraînait. Ben, à mes yeux, mon père, ben, c'était le plus fort. Puis je voulais être comme lui. C'est okay. Comme ça que, tranquillement, je me suis intéressé à l'entraînement. J'ai eu mes premiers haltères à l'âge de 5 ans. Et okay. L'entraînement a vraiment débuté pour moi à l'âge de 12 ans. Okay. C'est là que le déclic s'est fait. Puis que j'ai vraiment commencé à m'entraîner. Donc, à partir de là, j'ai jamais arrêté. Super. Lorsque vous étiez en compétition, j'imagine que ça devait prendre beaucoup de votre temps. En fait, on voudrait savoir combien d'heures par jour d'entraînement ça pouvait nécessiter lors d'une compétition. Ben écoutez, à l'époque, c'était environ 30 heures semaine d'entraînement. L'entraînement était l'entraînement cardiovasculaire, l'entraînement avec les poids et haltères, puis l'entraînement... avec les épreuves elles-mêmes. Donc, finalement, beaucoup d'entraînement. C'était une job à temps plein. Okay. On compétitionnait peut-être une vingtaine de fois par année, un peu partout à travers le monde. Okay. Donc, c'était très prenant, là. OK. Oui, vous avez été porte-parole pour diverses entreprises, divers produits, genre XPN Canada, BMR. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette expérience, de ces expériences? Ben, à vrai dire, XPN, j'ai été copropriétaire. OK. Oui, c'était plus que porte-parole. J'ai été porte-parole pour Stanley Black & Decker avec DeWalt pendant 8 ans. Puis c'était un peu à travers DeWalt que j'ai rencontré BMR lors d'un salon d'achat. J'ai rencontré l'état-major de BMR, puis il y a eu une bonne connexion qui s'est faite. Puis de là, il y a une rencontre qui s'en est suivie. Puis par la suite, j'étais avec eux depuis maintenant 17 ans. Wow. Donc, ça a été une belle rencontre, puis c'est une belle association, puis je suis bien fier. Je pense qu'au Québec, il n'y en a pas tant de porte-parole qui ont été aussi longtemps avec la même entreprise. Donc, j'ai beaucoup de fierté à pouvoir dire que je suis porte-parole de BMR depuis maintenant 17 ans. En parlant de fierté, ouais. Je sais qu'il y a des valeurs liées à ça. On voudrait parler, dans le fond, du milieu policier, parce que vous avez été policier, mais là, je ne sais pas si vous êtes toujours policier. Êtes-vous encore impliqué dans les forces de l'ordre? Non, j'ai pris ma retraite en 2008. OK. OK. Mais à quelque part, tu peux sortir un gars de la police, mais tu ne sors pas la police d'un gars. Donc, il y a beaucoup d'activités que je fais où il va y avoir les forces de l'ordre qui vont être rattachées. En fin de semaine, je suis porte-parole de l'événement, le gendarme de fer. Okay. En association avec la GRC. Donc,
on va ramasser des fonds pour la recherche en pédiatrie. Donc, vous comprenez que quand je peux m'impliquer dans des causes qui me tiennent à cœur, tout ce qui touche les enfants, là, je suis impliqué aussi avec la maladie mentale. Donc, tu sais, c'est un peu une façon de redonner à la communauté ce que, ce que les gens m'ont donné à travers les années au courant de ma carrière en me supportant, en m'encourageant, puis en étant là pour moi. Puis moi, ben, c'est une façon de pouvoir le faire. Puis je suis un gars qui croit beaucoup dans la justice. Je suis un ancien policier. Ça me ressemblait comme individu. Je crois dans ces valeurs-là. Donc, en quelque sorte, c'est important pour moi d'être dans des choses auxquelles je me rattache puis auxquelles je me reconnais. Il y a quelques années, on ne pouvait pas passer à côté sous silence, dans le fond, que vous avez déjà été impliqué brièvement dans la lutte professionnelle. Je me souviens, en 2000, je me souviens que vous aviez soulevé le neveu de la légende Ricky Martel au bout de vos bras, et vous l'aviez projeté dans une table qui était derrière. Qui était derrière cette idée-là? Est-ce que c'était vous ou... Comment ça s'est passé? Oh, wow! Écoute, honnêtement, ça fait longtemps, ça fait longtemps, je m'en souviens même pas. Tu sais, j'ai tellement soulevé de gens là, que là, je me souviens pas, puis j'ai tellement garoché de gens sur des tables là, que je peux pas tout m'en souvenir. Ah, c'est bon. Vas-y, mon ami. Oui, bien sûr. Vous avez entraîné, supervisé le comédien Antoine Bertrand pour son rôle de Louis Cyr, l'homme fort, qui est sorti en 2013. Dans le fond, c'est comment vous avez été approché pour... est-ce que c'est lui qui vous a demandé de l'entraîner? Vous avez été approché comment pour... J'ai été approché par la production. Il voulait avoir mon opinion sur certaines choses. Donc, on a organisé une rencontre. Puis, mon implication a été en deux temps. Premièrement, on m'avait demandé si je pouvais m'impliquer dans sa remise en forme. Ce que j'ai fait, je l'ai mis en contact avec un entraîneur privé. Spécialisé justement dans le domaine parce que je n'avais pas le temps de pouvoir m'occuper d'Antoine à temps plein parce que ça a été vraiment un travail à temps plein pendant plusieurs mois pour le mettre dans une condition pour qu'il soit crédible physiquement, puis il l'était, c'est quelqu'un qui est vraiment fort physiquement. Puis moi, je me suis plus impliqué au niveau de la technique, au niveau des épreuves, pour que les épreuves aient vraiment l'air d'épreuves de force. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le film, les épreuves de force, bien, il y a un certain poids, mais ça ne pèse pas le poids que ça dit. C'est de l'acting, on est dans le jeu. Mais quand même, ce qu'on veut, c'est que ça ait l'air vraiment lourd. Puis là, bien, il y avait une façon de le faire. On a parlé au niveau technique, parce que tu veux que ça soit crédible. C'était très important pour la production. C'était important pour Antoine. Puis c'était important aussi pour moi, pour la mémoire de Louis Cyr, qu'on ne fasse pas juste mettre en action quelqu'un qui fait des épreuves de force et que ça n'ait pas l'air vrai. Parce que ça sent ça. Vous savez, au début, on voulait vraiment mettre des faux poids et que ça ne pèse rien. Mais si ça ne pèse rien, ça va paraître. Parce que même si tu vas le jouer, physiquement, il n'y aura pas de transfert de poids. Il y a des choses qui se font lorsqu'on soulève des objets qu'on ne peut pas nécessairement contrôler, surtout s'il y a un certain poids. Donc, on est en mesure de pouvoir mettre une résistance qui te permet de pouvoir jouer, que ça ait l'air crédible, et en même temps, mais ça n'est pas le poids qu'on dit que ça l'est là. Fait qu'on s'entend, un Louis Cyr, il n'y en a pas 50, il y en a un. Je pense pas qu'on aurait été en mesure de les soulever anyway. Oui, depuis quelques temps, vous êtes entrepreneur pour l'entreprise Hugo Strong. Que se passe-t-il avec les activités de la compagnie actuellement? Écoute, on est en plein développement. Ça, c'est une entreprise, nous autres, c'est la confection, la distribution de vêtements de travail. Donc, mon association avec BMR, c'est un bon fit. La construction, la rénovation en industrie. Donc, on parle des mines. Donc, c'est vraiment pour tous les travailleurs. Puis là, ben, on est là-dedans. C'est une jeune compagnie. On a maintenant un an et demi d'existence. Donc, il y a beaucoup de travail à faire. Puis, je suis bien fier de ça. On n'est pas sorti du bois, comme on dit, mais ça fait partie du cheminement que tu dois faire. Puis ce n'est pas dans les défis qui sont faciles que tu t'accomplis le plus. Vous avez affronté l'athlète de MMA, Patrick Côté, dans un combat d'exhibition amicale, bien évidemment, en boxe. Comment est venue l'idée de monter dans l'arène avec quand même Patrick Côté? C'est quand même un bon défi, là. Mais le but dans tout ça, c'était vraiment de pouvoir amasser des fonds.
Ouais. Pour une œuvre de charité. Donc, moi, j'étais impliqué avec le défi sportif Altergo. Donc, le but, c'était de ramasser de l'argent pour ça. Puis en même temps, mais je trouvais que c'était un beau défi. Moi, je suis un amateur de boxe. L'entraînement de la boxe, j'adore ça. Okay. Puis c'était une façon de jouer un utile à l'agréable. Puis en mettant les pieds dans le ring avec un vrai combattant, mais tu es en mesure de pouvoir, on s'entend, c'est un combat exhibition. Fait que c'était, on n'avait pas l'intention de s'arracher la tête, mais quand même, tu veux t'amuser puis tu te tapes dessus parce que ça risque, c'est ça de la boxe. J'ai adoré l'expérience, ça a été vraiment le fun. Fait que Pat, c'est un bon gars, puis je pense qu'on a eu, on a eu un beau défi ensemble, puis on y a été pas mal fort. Là. Puis les gens ont bien répondu à l'appel en plus, tu sais, c'était sale compte si je ne m'abuse. Tu sais, les gens ont vraiment bien répondu à l'appel. C'est vraiment... Ben, moi, ce que je voulais, c'est avoir l'air d'un boxeur, fait que je pense que j'ai réussi à faire ce bout-là. Ce que j'ai trouvé le plus difficile, honnêtement, c'est que toute ma préparation, tout mon entraînement se faisait tôt dans la journée. Puis là, ben, le combat a eu lieu tard le soir. Hey, j'étais vraiment fatigué puis brûlé. Puis là, c'est là que tu te rends compte que le stress, comment que ça peut jouer, malgré que c'est un combat exhibition. J'étais pas tant stressé, mais c'est pas parce que tu le ressens pas que ton corps le ressent pas, lui. Ouais, puis j'étais vraiment... beaucoup plus fatigué que je l'étais lors des entraînements. Puis honnêtement, c'était beaucoup moins exigeant que les entraînements. Puis dans le fond, est-ce que vous pourriez comparer, dans le fond, l'exigence physique que ça prend quand vous faites une compétition d'homme fort versus ça? Est-ce que vous voyez un quelconque, quelque chose. Est-ce que c'était plus dur un que l'autre ou, tu sais... Ben, c'est deux disciplines complètement différentes. Okay. Tu sais, de la boxe, là, c'est vraiment exigeant au niveau cardiovasculaire. Donc, à un moment donné, là, si le cœur ne suit pas, les bras ne bougeront plus. Donc, c'est une question, il faut que tu gères tes énergies. Par la suite, c'est un peu comme un jeu d'échecs. Tu donnes deux, trois coups, tu te recules pour te donner de la distance. Puis là, tu atteins, puis là, tu retournes, puis l'autre fait la même chose. Donc, tu essaies de placer des combinaisons. C'est ce que j'aime derrière ça. C'est pas nécessairement on se met debout un devant de l'autre, puis on se tape sa gueule, un peu comme au hockey, comme on peut voir là, quand il y a des combos ouverts. Dans ce cas-ci, là, ben, c'est vraiment une question. Tu essaies de placer des combinaisons, puis c'est vraiment comme un jeu d'échecs. Puis c'est l'aspect que j'aime. Il y a un côté mental qui est présent. Là. Il y en a qui vont là, puis qui vont juste lancer des coups pour lancer des coups. Puis tant mieux si ça marche, mais les vrais, puis ceux qui sont champions, bien, c'est un art. On appelle ça l'art de la boxe, puis effectivement, c'est vraiment vrai. Puis moi, ce que j'aime le plus, c'est le côté entraînement. Le côté entraînement, c'était vraiment un défi. Je sortais de là, là mes vêtements, là, soak-wets, là, tu sais, que tu peux tordre, là, puis que ça dégoûte, là. J'ai rarement vécu ça, puis ça me sortait de ma zone de confort. Fait que j'ai adoré l'expérience. Super. OK. Quand vous êtes en visite dans la région de Québec, allez-vous encore au Maximum Fitness de temps à autre? Parce qu'on sait que vous avez ça fait... Arrive. Ah, oui, ça arrive souvent. Je vais surtout au Mega Gym. Okay. Mais dépendamment où je me retrouve, sur la rive sud ou sur la rive nord, c'est vraiment moi les heures où il faut que je me rende qui vont déterminer l'endroit où je vais aller m'entraîner. Super. Juste avant de finir, ça fait déjà presque 15 minutes, je vous donne le nom de des personnes et puis en une seule phrase, vous me dites à quoi ça vous fait penser. Kevin Bruno. Ah! Kevin, ça, c'est mon grand chum. Ce qui me fait penser, il me fait penser là, qu'il a des grands yeux. Lisa Paninic. Ah! Ça me fait penser. Ça me fait penser à quelqu'un qui fait plus partie de ma vie. Marius Podzianowski. Ça, c'est possiblement le meilleur athlète, pour moi en tout cas, là, c'est le plus grand fort là, auquel j'ai eu la chance de pouvoir là, côtoyer puis compétitionner et surtout de pouvoir le battre. Ah, nice, félicitations. Lou Ferrigno. L'incroyable Hulk. Yes, ben oui. Ronnie Coleman. Ah, the GOAT, the greatest of all time. C'est clair, le combo bodybuilder, là, c'est, je pense que c'est le plus beau physique en ayant de l'esthétique et de la masse qu'on ait pu voir. Wow, c'est vrai. Vous avez tout à fait raison. Ben oui. Et pour finir, Hugo Girard. Ah, il est encore en devenir, on n'a pas fini. Il reste tellement de choses à faire. Là. Super. En terminant, Benoît Laferrière, Ben, mon ami Ben, a.k.a. Nostrada Ben,
comme à chaque fin d'émission, ouais. Il essaie de prédire l'avenir de nos invités. Alors, vas-y, mon ami. J'espère juste que je n'allais pas nous garocher sur une table. Ben là, t'es loin un peu que je t'agaroche sur une table. Ouais, mais je sais pas où est-ce que vous êtes. Vous êtes pas à Montréal. Montréal-Québec, c'est quand même pas si loin que ça. Là. Ouais, mais une chose est sûre, va repasser, par exemple. C'est pas dit qu'on se rencontrera pas un moment donné. OK. Super. Non, mais sérieux, je prédis que vous allez probablement faire, tu sais, comme vous avez fait avec, c'est quoi son nom? Avec Patrick Côté. Mais sauf que moi, vous avez peut-être trouvé ça farfelu, mais j'ai pensé à ça. Tu sais, vous êtes quand même assez bâti. Mettons, un match sumo avec un autre homme fort. Ça m'attire pas tant. C'est deux gars à couche qui se taponnent. C'est pas super excitant. Ça peut être un match de boxe aussi, là, de compétition. Non, c'est toi qui veux faire ça? Ah non, non, pas moi. Non. Ça va lui croiser. Ouais, je pense qu'il ferait me boucher. Il y a des drôles d'idées. Hein. Tu sais que c'est arrivé une année, je me souviens plus en quelle année, qui ont fait justement au championnat du monde. Là, ouais. Une compétition qui c'était de la lutte, puis tu étais habillé en sumo, puis il y avait un cercle, puis il fallait que tu pousses l'autre à l'extérieur du cercle. Okay. Finalement, ça n'a pas été super populaire parce que c'est pas revenu. Ah, ouais. On l'a pas revu. Oui, c'est intéressant de savoir ça. Ouais, mais c'est pas obligé que ce soit au Québec, ça peut être au Japon, ça peut être en France, vous allez faire ça. Pas obligé que ce soit à Montréal. Là. Ouais, mais c'est pas obligé qu'on le fasse non plus. Hein. Ben, merci beaucoup, M. Girard, pour votre temps. Merci. C'est déjà fini. Ben, c'est oui, déjà. Ben, c'est ça, le Rumble Podcast. C'est court, puis c'est bien mieux comme ça. Comme ça, ben, on vous passez du bon temps. Vous avez des beaux souvenirs. Fait que c'est vraiment cool que vous ayez pris le temps avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre temps. C'est super apprécié. Hey, ça me fait vraiment plaisir. En tout cas, super, puis au plaisir de vous rencontrer. Puis ça, on se voit, bien, fais sûr qu'il n'y a pas une table, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas garoché quelqu'un sur une table. Super! Bien, merci beaucoup! Merci, au revoir! Au revoir! Hey, au revoir!